Salut! Salut à ceux qui arrivent. Bon, il est un petit peu tôt, hein? Alors, moi, aujourd'hui, je me suis fait un petit apéro. Un petit verre de vin blanc. T'es beau! Bon, il y a de l'eau à côté aussi. Hein. Je bois avec un tout petit peu. J'ai mis plein de glaçons dedans. Voilà, j'ai mis un tout petit fond de vin blanc, beaucoup de glaçons. J'attends qu'ils fondent. Ça donne un petit goût sympa. De l'eau parfumée, un petit vin blanc sec italien. Super sympa. Oui, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir quand même. Et un grand coup d'eau à côté. Parce que je bois beaucoup d'eau. Je bois, je bois. Il faut pas en boire trop non plus, hein, de l'eau. Il y a une maladie qui s'appelle, je crois, la popotamie. C'est grave, hein, mais ça peut être extrêmement grave. Hein. Si on boit trop d'eau, c'est des gens qui comprennent que pour maigrir, il faut boire de l'eau. Donc il y en a qui sont excessifs parce qu'en fait, ils sont excessifs en tout. Et donc, ils sont excessifs dans le fait de boire de l'eau aussi. Alors, de l'eau, bon, bah, c'est 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Voilà, je pense que c'est bon. Et c'est l'heure de l'apéro. Absolument. Eh oui. Aujourd'hui, ça sera apéro. Bon, un petit fond de vin blanc, hein, je répète, un petit fond de vin blanc avec des tonnes de glaçons. Ça s'appelle une petite piscine. Voilà, ça fera pas de mal, hein. Non, il n'est pas trop tôt pour l'apéro. Moi, je dîne extrêmement tôt. Moi, logiquement, dès que j'ai fini avec vous, je dîne. Parce que voilà, je suis pas. Moi, j'ai des horaires très, très spéciaux. Comme je grignote absolument rien entre les repas, je mange le matin, je mange vers midi, midi et demi, et je mange vers 19 h. Donc voilà, il n'est pas 17 h. Un petit coup de vin blanc, ce sera le seul petit verre de vin. Puis vraiment, j'ai mis un fond. Hein. Alors, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi se damner. Hein. Mais tout va bien. Et moi, pour l'instant, je ne grossis pas. Mon grand-père disait toujours, l'obus éclate. Donc, il est très sympa, ton grand-père. L'obus éclate. Oui, c'est pas mal. Bon, ça va, vous arrivez. Je vois que vous arrivez. Oui, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Exactement. Moi, j'ai des abeilles sur le toit en face de chez moi. Il y a un hôtel qui s'appelle le Renaissance. Et j'ai des abeilles sur ce toit. Ben oui, j'ai acheté une ruche à une association qui fait des miels, Bi Happy Miel. Et j'ai baptisé ma ruche et je voulais l'appeler Happy Véro, puis je l'ai appelée Apiro, parce que j'ai justement dit, parce que il n'y a pas d'heure pour l'apiro. Et on trouve toujours une petite place pour l'apiro. Et j'ai des abeilles qui me font un miel de fou. Parce qu'en fait, paradoxalement, Paris, par rapport à toutes les abeilles qui vivent à la campagne, Paris est finalement pas pollué pour les abeilles puisqu'il n'y a pas de pesticides sur les arbres. Donc de ce fait, eh ben, c'est un miel absolument pur et bio et elles se nourrissent, il y a pas mal d'acacias. Donc en fait, c'est un miel, moi le miel que j'ai eu cette année, c'est un miel qui est presque un peu mentholé. Il est extrêmement bon, il est très fin, il est mentholé, il a déjà été primé, hein, c'est un super bon miel. D'ailleurs, si vous avez envie d'acheter une ruche, c'est pas très cher, on paye tous les mois, et vous avez 10 kg de miel par an, et c'est vachement sympa. Bon, et en plus ça, vous apprenez à devenir des super apiculteurs. Moi, j'ai emmené ma nièce, c'est absolument génial d'observer les abeilles. Hein. Bon, faut pas trop les approcher quand elles bossent, parce que faut les laisser peinardes, autrement, comme tout le monde, elles sont distraites. Très bon ce petit vin. Alors. Bon, bah alors, bah vous êtes arrivés, pour ainsi dire, hein, je pense, il est l'heure en plus, ouais, c'est bon. Et alors, donc, bah, je vais regarder les questions que vous m'avez posées, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai été faire les courses, là, je reviens des courses, j'ai un peu couru. Donc voilà, Nicole qui me dit qu'elle est seule, qu'elle attend avec impatience l'heure que je puisse s'abreuver d'oxygène. Bah, je te remercie, ça me fait plaisir. Vraiment, hein, si je peux aider, ne serait-ce que deux, trois personnes à passer le temps, à voir les choses moins négativement, à passer 1 heure à oublier. Donc, je suis satisfaite. Voilà, une lectrice formidable, merci. Moi, je trouve que je bafouille beaucoup. Je lis un peu vite, alors je vais ralentir. Hein. J'essaye de ralentir, mais moi, c'est quelque chose de très compliqué pour moi de parler doucement. Donc voilà, articuler, ralentir, je fais mon maximum. Bon, si vous voulez réécouter les lectures, je les passe sur ma chaîne YouTube. J'ai laissé le lien d'ailleurs, et là j'enlève un peu les bafouillages et tout. Et peut-être même que je vais recommencer après la lecture intégrale proprement avec des résumés propres pour ceux qui ont envie de le faire écouter ou de le réécouter. Voilà.
La dame des yeux, si j'ai été touchée, ben évidemment, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein, parce que quand même, mon mari et moi qui avons produit ce film, enfin notre société. Et donc, on l'a voulu plus que tout. Donc, évidemment, que je suis touchée, c'est un film poignant et magnifique. Bon, ben, merci Marie Petit de me remercier. Ben oui, dans la Lime, on va un peu partout hein, avec la tournée. Quand ça reprendra, on verra. On verra. Hein. Alors Cyril a trois questions pour moi aujourd'hui. Les trous de mémoire, mais j'en parle dans mon livre, les trous de mémoire. Donc un jour, je vais vous lire le chapitre sur la mémoire et sur le métier d'acteur. Hein. Peut-on voir la vue de ma terrasse? D'abord, j'ai pas de terrasse, Cyril, j'ai un balcon. Un petit balcon très étroit qui fait la longueur de l'appartement. Pas du tout de terrasse ici. J'ai des verrières, j'ai beaucoup de lumière, mais j'ai pas de terrasse. Et puis, je te montrerai pas la vue, parce que si je te montre la vue, on va savoir exactement où j'habite. Et bon, voilà, je préfère garder ça pour moi. D'accord ? Le rôle de mon personnage dans la maison de retraite d'une de mes nouvelles. Ah oui, je l'ai lu ta nouvelle, Cyril. On en parlera tous les deux. Voilà. Bon, mais pour l'instant, je crois qu'il y a encore un petit peu de boulot. Allez, je suis honnête. Hein. Il y a encore un peu de boulot et je te dirai ce que j'en pense. Et on va s'y remettre pour que tu étoffes l'ensemble. C'est une bonne idée. Je vois que tu n'es pas contre te mettre à bosser. C'est bien. Parce que c'est ce qu'il faut dans l'écriture, se remettre à bosser. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Voilà, bon, merci. Les Hauts-de-France, Nathalie Barbier-Ducamp. Voilà, je ne sais pas si maman est là, mais bonjour Mamounette, hein, si tu es là. Bonjour mon frère, hein, dont c'était l'anniversaire hier. Voilà, les gens aiment bien le rendez-vous, je suis contente, je le fais pour ça, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez des vieilles personnes qui s'embêtent, parlez à leur aunt, parce que je fais aussi ça pas mal pour elles qui ont des difficultés à lire. Elles peuvent le réécouter, donc si elles ont envie, détendues le soir, d'écouter, ce serait bien. Quels sont les écrivains, les écrivaines, les lectures que j'aime le plus et qui m'inspirent? Alors, moi, je lis beaucoup. Hein. Moi, j'aime énormément les polars. Hein. J'adore Amélie Hagginkler, j'adore tous les genres de polars et je les relis. J'aime beaucoup. Moi, je lis les livres. Bon, quand il y a un prix Goncourt, je le lis. Je lis les prix. J'essaie de lire au maximum. J'aime beaucoup les romans d'histoire. D'ailleurs, je vais demander à Karine Anne, ma copine, si elle veut bien que je lise un de ses prochains livres. Parce que c'est une spécialiste d'histoire sur Marie-Antoinette et sur toute cette époque-là, sur la Pompadour. Et je trouve qu'elle fait des romans absolument, on s'y croirait, c'est juste génial. Donc j'espère pouvoir vous en lire un. Si je ne peux pas vous en lire, lisez-les, ils sont vachement bien. Qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je suis très éclectique. Ah, l'éclectisme. Je suis très éclectique dans mes goûts. Voilà, j'aime de tout, un peu comme pour la musique, je suis éclectique. J'aime la musique classique, la variété, j'aime toutes les musiques, le rock, même le rap, j'aime tout. Je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de trucs très définis, j'aime tout quand ça me plaît. Voilà, c'est un peu comme la peinture. J'aime le figuratif, j'aime l'impressionnisme, j'aime tout du moment que ça me parle. Voilà, je ne suis pas très sélective. Je fais des spectacles dans le Nord, bien sûr. Merci. Bon, ben, les gens me remercient. Je trouve ça très gentil. Hein. Et les gens attendent avec impatience la lecture. Ça me fait hyper plaisir. Hein. Ah, le direct avec Jennifer, je devais le faire. Je vais essayer de piquer le téléphone de mon mari pour l'appeler. Vous voulez? Allez, je vais essayer d'appeler Jennifer. Là. Elle doit être là. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas là. Hein. Attendez. Hier, tu me passes ton téléphone? Je vous rappelle Jennifer Lorraine en direct. Attends, je te pique ton téléphone. Je sais pas, tu l'as le numéro de Jennifer là? Je vais regarder, oui. Attendez, je vais voir. Lorraine. Jennifer. Yes. Non, il n'a pas le numéro, il a l'adresse. Bon, alors écoutez, j'ai le numéro, moi, Jenny. Parce que c'est sur mon téléphone là, ça va être compliqué autrement. Oh, j'ai été bête, j'ai oublié de l'enlever avant, mais c'est pas possible d'être aussi tête en l'air. Ah, attendez. Bon, Jennifer. Alors, Jennifer. Lorraine. Voilà. Alors, on va y aller. Je vais l'appeler. Mais comme c'est le numéro meilleur et qu'elle a peut-être pas relevé, je sais pas si elle va répondre. Voilà, je veux le numéro. Hein. Non, je rigole. Ah, je vais te mettre mes lunettes, ce sera plus simple. Hein? Ouais, d'accord. Alors, attendez.
Donc, voilà. Lore Sorrentino, son mari s'appelle Sorrentino. Ah bah attendez, je vais quand même d'abord mettre un peu en privé. Hein. Demandez si elle est d'accord. Hein. Allô ma poupée, ça va? Ça va et toi? Ça va ma chérie. Eh, dis-moi, je suis en direct là sur un Facebook Live avec, avec plein de gens parce que je leur fais une lecture tous les jours et ils me demandaient comment tu vas et j'ai dit bah, viens on va l'appeler. Donc je voudrais que tu leur fasses un petit mot. Je voudrais d'abord savoir comment tu vas ma puce avec les filles. Écoute, ça va, hein, confiné comme tout le monde. Hein. Ouais, bah, enfin ça va dans la maison, oui, ça va pas être trop dur. Si tu veux, c'est plutôt cool. Hein, mais bon. J'ai vu que vous faisiez du sport, qu'elle faisait du sport avec Patrick. Ouais, bon. Ouais, on fait faire du sport tous les soirs et tout, c'est cool. Et le restaurant, je suppose, est fermé? Ben oui. Ben ouais, hein, c'est con quoi. Et du coup, toi, t'es resté sur Paris? Mais moi, je suis à Paris, ouais. Je suis à Paris avec Sam et Meyer. On est là, on bouge pas. Et voilà, il y a plein de tous les gens qui te disent coucou. Ils sont hyper heureux de t'entendre. Voilà, et puis ils voulaient savoir. J'ai envie de partager ce moment avec vous. Je vais te mettre en vidéo, comme ça ils vont te voir. Ouais. Je vais te mettre en vidéo et je vais te montrer en vidéo. Ah, ma poupée d'amour. Bonjour. Je sais pas s'il arrive à te voir. Voilà, Jennifer. Donc, tu confirmes que tu vas bien. Hein? Oui, je vais très bien. Tu vas très bien. Une petite poupette aussi. Bon, ben, c'est bien, ma chérie. Bon. Ah, ils sont très contents de te voir. Ils te disent coucou Jennifer. Ils t'embrassent, ils te font des mille bisous. Fais attention à toi. Moi, je dis fais attention à toi, ma poupée. Hein? Ouais, et puis, zéro risque. On se voit après. Hein? Soit oui, je descends, soit tu montes. Hein? Je te fais des milliards de baisers, je t'aime. Oui, embrasse les filles et Patrick. D'accord, au revoir, mon amour. Ouais, ciao. Oui, ciao, mon chat. Ben voilà, on a eu Jenny. Voilà, elle va super bien, elle est avec les filles, elle était très contente de vous entendre. Ils sont confinés comme tout le monde et voilà, tout va bien et j'ai hâte de la voir. C'est quelqu'un que j'adore et on s'entend super bien. Ces filles sont absolument délicieuses. Elle en a 4, hein, de 21 à... Ben elle, maintenant, elle doit avoir 6 ans quand même. Hein. Donc ça fait, ça va, ça passe vite, hein, 6, 10, je crois, Anna a 10, elle doit avoir 13 maintenant facilement, hein, Shana, et puis Carla, elle doit avoir ben, 21, par là, je pense, oh là là, mon Dieu, même peut-être 22, oh punaise, bon, et ben ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais... Oui, c'est vrai, on a un lien presque maternel, toutes les deux, oui, c'est vrai, on l'a gardé, on s'entend super bien, on se voit, on se câline, on s'aime, les filles m'appellent Tati Véro, voilà. Bon, alors je continue peut-être pour vous voir ce que vous m'avez écrit, ok, je remets mes binocles, mamie met ses binocles et puis ça va être plus simple, hein. Voilà, je reprends mon ordi parce que je n'ai pas relevé. Hein. Quels sont mes goûts musicaux? Ben, j'en ai parlé. Hein. Voilà. Ben, Nathalie, elle a repris le boulot, la boule au ventre. Merde, Nathalie, merde, fais très attention à toi. Est-ce que je referai un jour une série avec Jennifer? Ben, si ça se présente, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Oh, un petit joli dessin. Merci Sylvain. Merci Sylvain Roustin. Pour ce joli... Roustan, pour ce joli dessin. Pas Rouston, hein, non, je plaisante, hein, Sylvain. Excuse-moi. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si j'en ai raté, j'en ai certainement raté plein, parce qu'il y en a 100 et quelques commentaires. Alors, je ne sais pas si c'est des questions, je ne les ai peut-être pas toutes vues. Avoir plus de commentaires, voilà, avoir plus de commentaires. Mon fils a dit que son McDo... Mac fermé chez nous. Do lui Mac est fermé. J'ai pas compris la question, Véronique. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Hein? Ah, Emmanuel. Véronique, tu devrais lire plus lentement car pour moi, ça speed. Allez, je te promets, Emmanuel, aujourd'hui, je fais hyper attention. Pour ma mère, pour toi, ma mère, elle me fait exactement la même chose. Puis ma mère, elle me dit, arrête de toucher le visage, arrête de... Ma mère, c'est mon mentor, mon premier mentor. Donc, je vais faire comme elle a dit. Hein. Je vais pas toucher le visage. Voilà.
Voilà, merci, merci. Mais il faut préciser, désolé, mais le même prénom, oui, d'accord, je préciserai les noms. Olive, Olive, Véronique Olive, d'accord. Ensuite, merci pour les gestes. Oui, mais ça, je ne peux pas m'empêcher de faire les gestes quand je lis, hein. C'est ma façon d'être. J'ai lu presque tous les romans d'Agatha Christie, mais là, c'est tellement plus agréable. Ben, merci, c'est gentil. Hein. Voilà. Il n'y a pas vraiment de questions. Il y a beaucoup de remerciements et je vous remercie. Oui, alors hier, ça a coupé. Effectivement, ça a coupé parce que j'ai dû faire une mauvaise manip. Et après, je l'ai remis en route. C'était un peu compliqué. Je suis un peu novice dans le Facebook Live, mais je commence à bien comprendre. Hein? Coucou Véronique. Comment j'ai fait pour perdre ces kilos? Mais je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà dit, ça a été un régime très strict avec une très très longue stabilisation. C'était un acupuncteur qui m'a aidé. Je passais par l'acupuncture avec un régime très strict que l'acupuncture a facilité. Parce que j'avais pas faim et je n'étais pas fatiguée. Plus de commentaires en donnant les films que tu as fait à la télévision, mais ça c'est facile, hein, vous allez sur Wikipédia, il y a toute la liste. Hein. Bonjour de la Martinique, ouais, la Martinique, vous êtes confinés en Martinique aussi? Ça je me demande ça. Vous avez des cas en Martinique? J'aimerais bien savoir, je pense que oui, logiquement il y a le monde aussi, il paraît plus d'un milliard et demi de personnes sont confinées dans le monde. L'Inde aujourd'hui est confinée. L'Afrique, ça va commencer. Je pense que la dernière vague arrive en Afrique. C'est dramatique, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas beaucoup d'hôpitaux, ils n'ont pas beaucoup de lits. Il va falloir se bouger pour les aider quand même. Hein. Ah, un monsieur qui est directeur d'une radio et qui voudrait que je fasse une émission avec lui. Bon, on verra. Hein. Mais c'est, je ne suis pas sur le bon live, c'est pas possible. Ça, je ne suis pas sur la bonne... Pardon, je ne veux pas être sur la... Mais non, je ne suis pas sur... Oh, punaise. Oh, quel blaire. Non, mais je suis un blaireau, je ne suis pas du tout sur... Je ne suis pas sur le bon poste. Je me dis, c'est marrant parce que ce truc-là, je l'ai vu hier. Mais bien sûr, je l'ai vu hier. Banane. Oh là là, mon Dieu. Donc, je continue là-dessus. Ok. Alors, là, bonjour, tu as été touché. Oui, oui, ça, d'accord. Voilà, j'y suis. Les trous de mémoire. Ok. Un bonjour de Hauts-de-France. Les rendez-vous. Je suis seule autour. Je suis pas de famille autour. Béatrice Florentin, t'es toute seule, mais c'est pour toi que je fais ça, pour toi et pour toutes les femmes comme toi, seules, ou voilà. Mais écoute, je suis ravie de te faire plaisir. Voilà, les écrivains, trop belle, bon, c'est gentil, hein, même si c'est pas très très réaliste, hein, parce que je suis loin quand même, je me rapproche pas trop. Hein. Voilà, tous les fidèles, notre lecture, quels sont mes goûts musicaux, ça l'a dit. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, il y a un truc que je ne piche pas tellement, c'est qu'il y a marqué qu'il y a... Et bon, voilà. Oui, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour cette fois-ci. Ok, et ben voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en direct, là, j'ai appelé Jenny, avant qu'on fasse notre kiki et tes cocottes. Oui, Cyril, je lirai ta deuxième nouvelle, promis. Promis. Bon, tant mieux, Véronique Olive. Moi aussi, je n'ai pas rien, donc je pense que pour la... Ah, Babou, non, je n'ai pas de nouvelles de Babou. Babou, j'ai pas une nouvelle, non. Au revoir à Strasbourg. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de gens qui se discutent à travers le truc, c'est marrant aussi ça. Hein? Non, je lis pas vraiment les messages en Messenger, il y en a trop, c'est trop compliqué. J'ai vraiment pas eu le temps. En plus, j'ai lavé les chiens aujourd'hui. Venez vous montrer les chiens comme vous êtes beaux. Patouf, viens voir. T'es où? Ben viens. Oui, juste là. Tu veux pas montrer comme t'es beau? Ben si, regardez. Je suis tout propre et tout bon. Oh, comment je sens bon. Regardez, je suis propre, brillant. Je me suis douchée. Oh mon Dieu, comme je suis beau et comme je sens bon. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, lui, c'est un chien qui adore l'eau. Hein, parce que lui, c'est un nageur fou. Il se prend pour un labrador. Mais tu n'es pas un labrador, tu es un Yorkshire. Oui.
Alors, quand on est en Corse, eh bien, il passe quand même à peu près 3 heures. Vas-y, vas-y, cache-toi. Il passe à peu près 3 heures par jour dans sa piscine, dans la piscine. D'ailleurs, c'est sa piscine. C'est ta piscine, non, c'est ça, oui. Voilà, il est tombé dedans quand il avait 3 mois et depuis, il a une passion pour la piscine. Donc, en fait, il m'apporte une balle dès que je sors. Il faut que je lui lance dans la piscine et il plonge et il saute et il va le chercher. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Tu sens bon, c'est beau. En plus, ils ont un petit parfum. Ça s'appelle Oh My Dog. Bah, Oh My God, Oh My Dog. Ouh, mais je suis câlin, moi. C'est un gros câlin, lui. Oh, c'est un gros câlin. Mmh. Oh, puis alors, quand il sent bon, quand il est tout doux comme ça, c'est quand même un plaisir. Mmh. Ah, il dort plus, je t'aime, mon chien. Bon, Miss, tu te présentes aussi ? On laisse un peu de place à ta mère. Miss ? Miss ? Elle est où ? Tu la laisses sortir ? Attends, alors Miss, elle est au pied de mon mari dans la cuisine parce qu'il est en train de faire à bouffer. Donc quand il fait à bouffer, logiquement, Miss, qui est une vorace et qui ne pense qu'à manger, elle ne perd pas une miette de ce qu'il fait, pensant pouvoir avoir des petits bouts de... Miss ! Viens là! Allez! C'est pas vrai qu'elle vient pas. Mais hier, qu'est-ce qu'elle fait? Viens, allez! Allez, viens! Tu boufferas un autre jour, t'es grosse comme une vache. Allez, viens! Miss, viens ici. Allez, dépêche-toi. Viens! Mais c'est pas possible, enfin. Fais pas ton cirque. Allez, viens. Voilà, ma mère. Viens là. Oh là là. Non, mais attendez. Alors voilà, c'est une grosse patate. Elle a un gros ventre. Elle grossit, elle se confinement, ça ne lui réussit pas du tout. Elle est toute propre aussi. Ben voilà. Quoi, t'as rien eu à bouffer? Ben écoute, ça va, regarde ce ventre. Oh là là. Non, mais faut pas que tu manges. Voilà. Oh, tu sens bon, tu es belle. Voilà, ça c'est Mistouille. La maman de Patou. Voilà les enfants. Hop. Bon. Trop content d'avoir vu Jennifer, moi aussi. Voilà, maintenant, par contre, le téléphone de Meyer, je vais l'éteindre parce que s'il va nous embêter pendant le truc, je vais couper le son. Voilà, ça, peinard, pépère, voilà. Hop. Et on va commencer la lecture, vous voulez? C'est bon? Allez,